caca nanji. Caca, gros caca. Gros caca nanji. Tu t'attaques à une fille qui te dépasse et qui dépasse tes soeurs fiancées. Parce que tes soeurs fiancées là, quand elles ne sont pas courtes, elles sont grosses. À cause des mauvaises nourritures que vous mangez dans, que vous mangez là, les nourritures avec l'huile rouge là. Tu t'attaques à une fille qui te dépasse, tu dis qu'elle ne sait pas parler français, tu peux parler anglais. Une fille qui s'exprime bien en français, tu peux parler anglais. Vois le sale porc là, que tu t'assois comme ça, les odeurs sur toi partout. Hein? Je vous préviens, que vous soyez n'importe où, au Sénat ou n'importe où, quand ce monsieur vient s'asseoir à côté de vous, pardon, changez d'endroit, parce qu'il pue. Il pue la sueur. Il pue mal mauvais. La bouche alors, la bouche, sa bouche, c'est le cabinet. Le cabinet. Vous pouvez jalouser une fille comme ça, avec la courte qui est en France là-bas. Il dit que la fille là a fumé le manga ou elle a pris le caillou. Pourquoi vous êtes jalouse? Parce que ce n'est pas votre soeur. C'est son agent. C'est son agent. Hein? Pourquoi vous êtes jalouse? Parce que ce n'est pas votre soeur. La croqueuse de diamants, mannequin. Mannequin, beaucoup d'argent. Range Rover 2023. C'est pas la bouche. Elle partage. Comme vous ne partagez pas, vous êtes chiche. Chiche comme vos parents. Donc ça, vous lui faites de la jalousie. Mais c'est pas votre soeur. Bande de jaloux. Surtout toi, le gros caca. Gros caca Nandi. Un homme peut sentir comme ça, mon frère. Tu peux parler de la fille là. Un homme pue comme tu pues là. Et tu fais faire tes trucs là chaque fois que tu appelles le nom de Longuet Longuet. Chaque fois que tu fais tes conneries là, tu appelles le nom de Longuet Longuet. Mais tu as même ressemblé à qui? À quel de tes parents? Qui était même mal formé? C'était ton père ou ta mère qui était mal formé comme ça? Regarde, regarde tes vidéos toi-même, tu te regardes. Tu as la silhouette d'un démon. Tu as la silhouette d'un démon. Toi, caca Nandi là. Tu as la silhouette d'un démon. Tu dis donc. Tu as appelé les cancan boys. Tu les as exploités. Même mettre leur nom dans la fiche technique que oui, les cancan boys, c'est là. Tu as pris les chansons. Tu fais les spectacles avec partout. Tu manges l'argent. Tu dis que tu es trop fort. De même chose avec papy. Tu as exploité papy. Maintenant, pourquoi avec Million Cité, tu n'as pas aussi arrangé comme tu as arrangé les autres? Si c'est toi qui composais les autres. Comme tu dis que c'est toi qui chantes souvent. Malhonnête. Malhonnête. La chanson là, c'est la chanson d'un Kanka Boy. Parce que moi, j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit que Grand Frère, c'est notre chanson. Et la mélodie là, c'est la mélodie. Tu rappes un peu tes petits trucs, tes faux trucs que tu rappes tous les jours là. Tous les jours, que les mêmes choses depuis où c'est 4 ans aujourd'hui. Même chose. Et tu as fait la même chose avec, avec papy. Fais encore. Tu vas encore exploiter qui c'est quoi-ci. Voilà avec Million Cité, pourquoi ça ne donne pas? Pourquoi ça ne donne pas? Parce que Million Cité n'est pas fort. Tu voulais aussi exploiter Million Cité. Gros caca Nandi. Mon frère, même si tu te laves 10 fois par jour, l'odeur que tu as sur toi là va jamais finir. Voilà. Chaque fois tu fais tes choses, ta chanson, dans ta chanson là, tu appelles mon nom, que Longuet Longuet, j'ai réfléchi pour toi. Je t'ai déjà dit, arrête d'appeler mon nom dans tes choses. Et quand tu appelles mon nom, tes frères ne voient pas. Maintenant, comme je te réponds là, c'est là où la solidarité va se mettre maintenant en place. Je m'en fous de vous. Je vous emmerde de vous tous. Faites de la solidarité maintenant. Parce que quand il fait ses trucs,
Il appelle mon nom. Vous ne lui dites pas qu'arrête d'appeler le nom du gars là. Déjà, inbox, tu m'as manqué le respect, inbox. Parce que tu m'as invité à chanter pour qui là? Il a dit que non, le montant là ne me plaît pas. Tu m'as traité de tous les noms. Comme tu aimes m'entendre que tu es brut, tu es violent, viens. Il sera libéré. Comme tu aimes m'entendre que tu es brut, tu es violent, viens. Je vais t'éteindre sur toutes les voies. Sur toutes les voies, je vais t'éteindre. Pas l'histoire que tu marches avec ton ami PD là, vous manquez le respect aux gens. Maintenant, je vais devenir brut. Je dis que je vais vous éteindre sur toutes les voies. Gros caca. La bouche qui pue le cabinet. Tu peux parler de cette fille. Tu connais sa famille, tu connais sa vie. Tu parles d'une princesse. Une princesse croqueuse de diamants. Comme vos soeurs, fiancées sont moches. Elles sont tellement moches. Si elle n'est pas courte, elle est grosse. Vos actrices de merde. Vos actrices de merde. On dit que c'est les actrices. C'est les artistes, ça. Une actrice est courte comme un pygmée de Yoko. Vous avez déjà vu une actrice courte en France? Pour être actrice, il faut d'abord être mannequin. Hein? Faut pas que tu as le gros ventre, tu as les fesses ici. Tu viens dire que tu es actrice. Alors que tu étais une mangeuse de quoi là, je sais même pas. Donc, moi je te dis arrête. Arrête de parler de la croqueuse de diamant. Elle te dépasse en tout. Et elle dépasse toutes tes soeurs là. Elle les dépasse. Elle dépasse toutes tes soeurs là. Vous avez compris? Chouane. Va d'abord bien enlever la mauvaise haleine que tu as dans ta bouche quand tu parles là. Toi, Kakanandi là. Va enlever la mauvaise haleine que tu as dans ta bouche là. Tu as compris, hein? Chien.